Bien, bonjour à tous, c'est MatsoLitney44. Et donc, on commence cette vidéo d'une manière un petit peu particulière, cette quatrième partie de ma vidéo découverte sur No Man's Sky, parce que, en fait, là, je suis en train de vous faire des commentaires en off, devant mon ordinateur, je suis pas en train de jouer. Je verrai si cette partie sera complètement off ou si ce sera seulement le début de la partie qui sera en off. Ça dépendra combien de temps je vous ferai faire ce que j'ai à vous dire là en off. En fait, j'ai décidé de continuer à avancer un petit peu seul de mon côté parce que je peux pas faire du live tout le temps. Il y a des fois, voilà, je suis obligé d'arrêter de commenter et bon, j'ai quand même un petit peu envie de continuer et sans commenter, j'ai envie de dire, de mon côté tout seul. Et donc, bah, je continue à jouer et là, je vous fais un petit récap de ce que j'ai fait de mon côté, voilà. Et puis, j'ai eu quelques soucis aussi, c'est pour ça que j'ai pas fait la suite en direct. En fait, en regardant dans le menu découverte, j'ai vu que... ou voyage, je sais plus... j'ai vu que certaines de mes découvertes avaient commencé à disparaître. La planète Sierra, ma première planète que j'avais renommée, avait disparu et avait repris son nom d'origine sans que je sache pourquoi. Et des doublons de mes découvertes, sous leur nom d'origine, ont commencé à apparaître aussi dans le menu découverte. Sous le nom d'un autre joueur, Tempest Alive. Ce fameux Tempest Alive à qui j'avais attribué dans l'une de mes vidéos précédentes la découverte du système NeBlockMate dans lequel je me trouve, alors que ce système, étrangement, enfin, je sais pas d'où est-ce que débarque ce Tempest Alive, si c'est un autre joueur, ou je sais pas ce que c'est, parce que il me semble, dans ma première vidéo, et on le voit au début de la deuxième aussi, que c'est moi qui ai découvert le système NeBlockMate. Lors de ma première partie, le 13 août. Et c'est pourtant marqué que le système NeBlockMate a été découvert le 14 août, en fait, il me semble. Ou alors c'était une autre planète, je sais plus. Bon, la date est pas importante, mais le système NeBlockMate, il me semble que c'est moi qui l'avais découvert, et il est pourtant marqué au nom de quelqu'un d'autre, donc je ne comprends pas. Et je vous ai dit, il y a plusieurs... la planète Ardell WG80... est réapparu dans mon menu découverte, alors que Ardell WG80, c'était le nom d'origine de la planète Alamo. Je l'ai renommé comme ça, Ardell WG80, je l'ai renommé Alamo, et elle est réapparue sous son nom d'origine dans mon menu découverte. J'ai commencé à me poser des questions sur cet autre joueur, Tempest Alive, enfin sur ce pseudo, sur ce bordel qui était en train de se créer dans mon menu découverte, pourquoi je perdais des découvertes, pourquoi il y avait cette espèce de pseudo bizarre qui débarquait de nulle part, pourquoi j'avais des doublons dans mon menu. Ça commençait à me mettre un petit peu en colère, ce bazar là. Je me disais, ça y est, il y a un autre joueur qui a débarqué dans mon système, il y a combien de chances pour que ça arrive, en plus vu la grandeur du jeu. Il est en train de foutre le bordel dans mes découvertes, il commence à se les approprier ou à les faire disparaître, je sais pas quoi, là ça va plus du tout. Donc je suis allé faire mes petites vérifications, je suis retourné sur Sierra, qui a repris son nom d'origine que j'ai du mal à prononcer. Bah c'est bien Sierra, hein, sauf qu'elle a repris son nom d'origine. Donc tout ça a commencé à m'agacer, j'ai essayé de signaler ces découvertes de Tempest Alive comme des découvertes qui n'étaient pas normales. Alors il me semble que l'objet de signalement, enfin le signalement que vous pouvez faire sur certaines découvertes, en fait c'est pour signaler des découvertes qui ont un nom qui n'est pas décent. Voilà, mais je pense que ça va pas plus loin que ça, vous pouvez pas... je pense pas qu'il puisse de toute façon y avoir de litige en réalité, et vous pouvez pas envoyer un signalement à des modos, je sais pas, ou aux développeurs pour dire... Attention, ce mec-là est en train de foutre n'importe quoi, ce système m'appartient, ces planètes sont à moi, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait là. Je crois pas que ça peut arriver, je crois pas que ça sert à ça. Hein, c'est juste pour... voilà, s'il y a une planète qui s'appelle Enfoiré69, je pense que ça sert à ça, signaler cette planète pour qu'elle reprenne son nom d'origine. Sauf qu'une fois qu'une planète a repris son nom d'origine, vous pouvez pas la renommer à nouveau. Et je pense, en fait, je me demande si c'est pas moi qui ai foutu le bordel.
dans mon propre menu découverte, parce qu'il y a un moment j'ai rechargé en arrière, avant que tout ce bordel n'arrive, et c'est après ça que ça a commencé à être un petit peu bordélique. J'ai cliqué sur signaler plein de fois, sur masquer aussi, parce que je comprenais même pas pourquoi les découvertes de ce Tempest Live s'affichaient dans mon journal à moi. C'est, ça n'avait pas de sens, pourquoi j'aurais les découvertes d'une autre personne dans mon journal. C'était vachement bizarre, et j'ai fini par arriver à la conclusion suivante, c'est que il m'est arrivé de jouer hors connexion à certains moments, parce que j'ai des déconnexions intempestives. On n'est pas obligé d'être connecté pour jouer à No Man's Sky, mais il me semble que pour que les découvertes soient authentifiées et pour pouvoir les envoyer, voilà, les officialiser, il faut qu'on soit connecté. Et quand vous perdez votre connexion, je pense que le jeu, en fait, fait les découvertes pour vous au nom d'un pseudo unique et sans doute universel pour tout le monde, qui serait ce Tempest Live. Ce serait le pseudo par défaut qu'on colle aux découvertes des planètes et des systèmes qui sont découverts, on va dire, hors connexion par un joueur. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, bon. Bon, tout ça m'a un petit peu fatigué, m'a un petit peu contrarié, j'ai décidé de, il faut continuer à jouer en faisant comme si... On va pas parler de ça pendant 200 ans, hein. Ça m'a un peu fait chier, ça m'a un peu gavé. Du coup, j'ai décidé d'aller sur la dernière et troisième planète de ce système pour en faire la découverte et l'officialiser sous mon nom, hein, mon vrai profil, puisque j'étais connecté à ce moment-là, qui s'appelle, c'était la planète Byrakanis 350, je sais plus quoi, que j'ai rebaptisé Venomia. À cause de ces espèces de gros champignons vénéneux qu'on trouve à sa surface et à son atmosphère toxique. En fait, il y a des espèces de pluie acide à la surface de cette planète, encore une planète de type désertique. J'étais un poil déçu parce que les trois planètes de ce système, en fait, se ressemblent toutes. Sierra, Alamo et Venomia, enfin, elles se ressemblent toutes. Au niveau de la flore, c'est différent, mais... c'est quand même trois types de planètes, de type désertique, je veux dire. Alors peut-être, après, je sais pas, qu'il n'y a pas dans un système de grande diversité entre les planètes, ou que ça dépend vraiment des systèmes, de la création procédurale. Peut-être que dans certains systèmes, il est logique qu'il y ait plusieurs planètes désertiques, voilà. Peut-être qu'on est trop près de l'étoile dans ce système, je ne sais pas si c'est un rapport, si c'est pris en compte. En tout cas, j'avais envie de lui donner un nom en rapport avec cette toxicité, voilà. Et même si les champignons sont vénéneux et pas venimeux, Venomia, ça me faisait un peu penser à Venom Snake de Metal Gear Solid, je trouvais ça pas mal. Voilà, c'était un petit clin d'œil, c'était un nom que je trouvais sympa, bon. Parce que Venenomia, c'était un peu long et c'était moins sympa, voilà. Ça faisait un peu con. Mais c'est une planète que j'ai trouvé sympa, Venomia. Le coup de l'atmosphère toxique, en fait, c'est exactement le même principe que l'atmosphère chaude de Alamo, en fait. Vous avez une barre verte qui s'affiche à la place de la barre rouge, une barre de toxicité, et qui fait baisser votre protection environnementale, mais c'est exactement le même principe que que l'indice de chaleur, quoi. Voilà, de forte chaleur. Mais il y avait une faune que j'ai trouvée assez marrante. J'ai rencontré des espèces assez étranges, comme ces espèces de petits, de gros humanoïdes à moitié ourson, à moitié cochon, à moitié humain. C'était assez bizarre. Ils étaient rigolos ceux-là. Il y avait aussi des espèces de gros dinosaures bipèdes qui ressemblaient à des gros carnivores, qu'on peut voir dans Jurassic Park ou dans les bouquins de dinosaures pour ceux qui sont fans des dinosaures, mais ils étaient inoffensifs, c'était pas des méchants. Voilà, je me suis pas fait courser par des dinosaures carnivores. Il y en a peut-être dans le jeu, je sais pas. Bref, voilà, donc j'ai continué à farmer un petit peu de mon côté, à explorer. Bon, j'ai finalement pris conscience qu'on n'avait pas besoin de tout farmer, c'est inutile, faut farmer quand vous avez besoin de farmer, voilà, et se contenter de ramasser surtout les éléments primaires nécessaires, un petit peu de carbone pour recharger sa combinaison, du plutonium pour recharger le carburant de son... enfin pour recharger le réacteur de son vaisseau,
du tamium aussi. Voilà, c'est les éléments principaux vraiment nécessaires. Le reste, c'est au passage, quand vous en avez l'occasion, c'est pas la peine de se charger avec. Bon, maintenant mon inventaire est un peu plein, bah je jetterai ou je vendrai ce dont j'ai pas besoin. En attendant, je le garde, on sait jamais, on verra bien. Hein. À propos du tamium, oui, je voulais vous dire un truc. Bon, au début, je le trouvais assez rare sur la planète Sierra. On pouvait en trouver que dans certaines plantes qui étaient assez rares. En fait, je me suis rendu compte connement qu'il y en a plein dans l'espace. C'est pas la peine de se faire chier à en chercher sur les planètes. Il y en a plein dans l'espace. Il suffit de détruire les astéroïdes. Et il y en a plein dans les astéroïdes. Voilà. Et dans les plus gros, alors dans les plus gros, il y a de l'iridium. Et il y a un truc que je trouve assez sympa, c'est que les plus gros, on peut carrément... On les détruit pas d'un coup, on peut les trouer. Comme certains gros monolithes rocheux sur les planètes, on peut les trouer, on peut passer après à l'intérieur des trous qu'on a creusés dans les astéroïdes avec son vaisseau. Je trouve ça rigolo, c'est assez classe. Bon, je suis allé aussi sur cette fameuse station spatiale. Alors, on peut y faire du commerce. Hein. Bon, on peut faire du commerce aussi sur les planètes dans certaines bases. Vous pouvez acheter et vendre des items, des matières premières, tout ça. J'ai changé aussi mon multi-outil. On m'en a donné un nouveau, gratuitement. J'étais assez content. Il a 8 emplacements. J'en ai pas trouvé de meilleur pour l'instant. J'en ai trouvé des plus jolis. On m'a proposé d'autres multi-outils. Mais j'ai pas trouvé de meilleur multi-outil que celui-là. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Je verrai ça plus tard, sûrement. J'ai vu des vidéos d'autres joueurs qui en avaient des meilleurs que le mien. Donc ça doit être possible. J'ai vu qu'on pouvait aussi acheter des vaisseaux, parce qu'il y a d'autres vaisseaux d'aliens qui atterrissent dans le hangar de la station spatiale, et on peut faire une offre pour acheter les vaisseaux. Apparemment, c'est la seule façon d'acquérir un autre vaisseau. Mais alors, c'est quand même hyper cher, et pour l'instant, j'ai quand même pas encore beaucoup d'argent. Je dois être dans les 400 000 unités, un truc comme ça, et pour avoir un plus gros vaisseau avec une plus grosse soute et tout ça, pour que ce soit vraiment intéressant, il y avait l'air de falloir banquer plus de 500 000 unités, voire plus d'un million d'unités. Donc voilà, j'en étais pas encore rendu là, c'était pas possible de changer de vaisseau. J'en avais envie, mais je pouvais pas. Enfin, il y a un autre moyen d'acquérir un vaisseau. J'ai vu qu'à certains endroits, parfois, on pouvait trouver des épaves à la surface des planètes de vaisseaux qu'il faut réparer. Hein. Il faut les réparer, il faut re-remplir leur réservoir et tout ça, donc ça coûte des ressources. Faut bien regarder si c'est rentable ou pas. Moi, les vaisseaux que j'ai trouvés, pas de bol, c'était deux fois les mêmes, un sur Venomia et un sur Alamo, et il y avait un emplacement supplémentaire. J'ai pas trouvé qu'il était utile de gâcher mes ressources pour les réparer juste pour un slot de soute supplémentaire. Voilà, j'ai dit je vais économiser mes ressources et mon argent, et j'en achèterai un plus gros plus tard. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais quel est l'objectif vraiment dans ce jeu? Parce qu'on s'y perd, tu farmes, tu te promènes, t'explores, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, au début, c'est vrai que j'ai tendance à m'égarer un petit peu. Les objectifs sont marqués en bas à droite, hein, suffit de lire. J'aimerais mieux un menu d'objectifs un peu plus clair, mais ils sont quand même affichés. Et c'est vrai que j'ai tendance à me balader un petit peu sans lire les objectifs et à m'égarer, donc j'avance pas vite. Mais voilà, c'est ma manière de jouer aussi, j'aime bien prendre mon temps. Donc en fait, une fois qu'on a quitté la première planète et qu'on a réparé son vaisseau, qu'on a suivi et trouvé le signal de la balise qui nous a emmené après vers une base, on nous donne la technologie pour créer un réacteur d'hyperpropulsion. En fait, vous avez trois types de réacteurs. Le réacteur classique qui se recharge avec du plutonium pour décoller des planètes, voilà, et avancer classiquement. Vous avez le pulso-réacteur qui ne sert que dans l'espace, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les planètes, pour avancer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et vous avez l'hyperpropulsion qui, lui, vous sert à faire des sauts supraluminiques entre plusieurs systèmes solaires. Voilà. Donc, c'est le seul moyen de quitter un système. Donc, une fois qu'on vous a donné la technologie, après, vous avez besoin d'acheter un résonateur thermique à la station spatiale, et ensuite, il vous faut trouver une capsule de distorsion ou un truc comme ça, une cellule de distorsion, voilà, c'est ça. Et pour en créer une, il vous faut du tamium et de l'antimatière. Alors, l'antimatière, à ce moment-là, vous n'avez pas encore la recette, on l'apprendra plus tard, donc on vous donne de l'antimatière, et après, avec le tamium que vous avez, c'est à vous de créer la cellule de distorsion dans votre inventaire.
et ça vous donne 20% d'énergie d'hyperpropulsion, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui suffit pour se tirer de ce système où vous êtes la première fois. Donc, ensuite, il vous reste juste à sortir du système, donc vous vous rendez dans la carte et vous choisissez un système dans lequel vous voulez aller complètement au hasard. On vous suggère bien sûr d'aller au plus court dans la prochaine étape indiquée pour se rendre vers le centre de la galaxie, mais vous pouvez choisir n'importe quel système à condition qu'il soit pas trop loin, faut qu'il soit à votre portée. J'ai l'impression que plus on va loin, j'ai vu ça dans la vidéo de quelqu'un d'autre, je l'ai pas expérimenté moi-même, plus on veut aller loin, plus il faut avoir d'hyperpropulsion, et il me semble même que pour rejoindre certains systèmes, il faut avoir des réacteurs d'hyperpropulsion boostés un petit peu spéciaux. Donc moi j'ai choisi de prendre un autre système que celui qu'on m'indiquait pour aller vers le centre de la galaxie. J'avais envie de choisir mon système. Il y en avait un qui m'intéressait plus que les autres, il avait plus de planètes, il avait deux lunes en plus, donc j'avais envie d'aller voir ça, je trouvais ça sympa. Et dès que vous cliquez sur X, ça y est, le vaisseau se lance en mode hyperpropulsion. Alors, je sais pas si la traversée se fait en temps réel d'un système à l'autre de manière accélérée grâce à l'hyperpropulsion, ou si c'est un espèce de chargement déguisé, en fait. Mais c'est assez long quand même, et je me demande si on peut voyager d'un système à l'autre de manière classique, à travers le vide spatial, en fait. Je pense que ça peut se faire, mais à mon avis, qu'il n'y a pas de limite, mais qu'à mon avis, les distances sont tellement gigantesques que vous n'y arriveriez jamais, en fait. Ce serait pas possible. Je suis pas certain qu'il y ait une limite à l'intérieur d'un système, mais voyager entre deux systèmes, je pense pas que ce soit possible. Ah, quoique, je me demande si en fait il y a peut-être quand même une limite, même si elle est très éloignée, parce que ça me semblerait les distances sont tellement énormes, je vois pas, et en plus il y aurait pas de planète entre. Il y aurait rien à visiter entre ces deux systèmes, donc je vois pas l'astéroïde. Peut-être qu'il y a que des astéroïdes, enfin bref, j'en sais rien. Donc où est-ce que j'en suis rendu? Bah écoutez, j'en suis déjà à 17 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous finir cette partie là-dessus, en fait, cette quatrième partie, où on va la laisser en off, parce que si je mets ça au début d'une quatrième partie, qu'ensuite je vous continue en live, ça fait déjà 20 minutes de perdu sur une partie, donc je préfère clore là-dessus, et on commencera la prochaine partie en live cette fois, en véritable découverte. Et vous découvrirez le nouveau système dans lequel je suis arrivé, voilà. Et il faudra qu'on trouve. Le prochain objectif sera d'apprendre nous-mêmes à faire, à fabriquer de l'antimatière pour recharger son hyperpropulsion. Voilà. Et on verra bien où est-ce que nous emmène la suite. On découvrira de nouvelles planètes, les deux lunes, etc. Donc j'ai encore un petit peu envie de continuer cette découverte sur No Man's Sky. Et je vous dis à très bientôt pour. La cinquième partie, je crois bien.